gratitude en couleur qui traînait en pile monde pour venir capable ouais activité ça, une activité que communauté a pas tellement habitué avec lui, mais ça pas empêché que nous gagnions des monde qui viennent porter soit par curiosité ou par connaissance même de en là, eh bien nous gagnons avec nous. C'est pasteur Isaac. Pasteur Isaac qui joue aujourd'hui à lui-même les vini dans gratitude en couleur. Gratitude en couleur, une exposition de peinture. Qui ça représente pour vous-même? Well, c'est une mémoire, c'est une force de l'esprit. C'est comme ça que nous voyons pile peinture là qui fait valeur de la fierté haïtienne et la fierté de l'homme noir tout. Parce que c'est vraiment bien. Elle avait quelque chose de bien en dedans, mais c'est bon Dieu qui fait ça passer comme ça, parce que tout le monde qui naît ou bien qui sous la terre, ton boule sans noir qui était dans votre maman, maman dit quand ça l'a venu. C'est ton expérience qui t'a aidé, petit monde noir ou bien petit monde haïtien, parce que m'a dit c'est première fois dans notre diaspora ça arrivait comme ça. Peut-être à New York ou bien dans notre diaspora philadelphien. Ça arrive comme ça, c'est bien, parce que ça fait valeur la fierté ou bien la foi de sa maman qui était vraiment ta prière en pile. Parce que lorsque ce petit bon Dieu n'est pas jamais juste là, abandonné ni sa postérité, moi disant son père. Ça veut dire postérité, hein? Petit en petit, pour avec dans la rue à faire un bon Dieu. Excusez-moi, discontinue. Une autre chose qui m'apprécie là, quand jeune artiste, c'est que lui mettait ensemble le nom de Dieu par rapport avec l'art. C'est une très bonne chose qui a félicité. Oui, oui. Moi, bien content ouais, que vous-même vous répondez, vous comprenez le travail qu'a fait là. Yes, et yes. Si tu avais gagné un message que tu avais lancé avec la jeunesse surtout et à tous nos frères haïtiens qui ont même à suivre l'évangile civil. Eh bien, ça, moi, je l'ai dit, c'est. Notre société haïtienne, il manque support à jeunes haïtiens ou bien haïtiennes qui ont fait des efforts extraordinaires. Sœur Hélène, moi-même, pour moi, c'est une lumière qui pointait. Bon Dieu fait le pointer pour éclairer les jeunes haïtiens qui ont perdu. Parce que même gens, petits chrétiens ici, aux États-Unis, ont perdu. Mais il n'y a pas jamais de monde qui sortit. Al bien loin jusqu'au fond dans bagaille pour remonter avec la vérité. La vérité, c'est vrai, parce que tout le monde peut parler, mais le ou sorti loin et puis va parler comme ça, il fait valeur. Non, il fait valeur parce que haïtien surtout, mais valeur de m'a dit son monde qui vient pour aider vraiment, comme si nous poter capable des exemples, parce que vraiment me senti que libre l'évangile la force qu'on y a là, c'est pour un jouet lié, il prend l'évangile la force, elle était maman vrai qui a prié bon Dieu pas quitter bon Dieu pas délaisser maman dans misère pour contre lui. C'est ton expérience, c'est ça, expérience pour venir lever m'a dit en fierté. Et qui pourra permettre d'autres jeunes, ils sont même capables de marcher dans une droite chemin. C'est vrai, c'est ça. D'accord, merci en pile, révérend. Moi, remercie vous pour participation dans l'événement. Ben, que bon Dieu bénisse. Je me dis être haïtien, captant de Kounia là, je t'ai supporté parce que c'est vraiment, quand je dis tout le monde a un grand zano qui ou même si ce n'est pas petit tout, mais c'est petit tout, ou bien c'est petit tante matin tout, ou bien c'est petit tout universal. Je souhaite que les Haïtiens comprennent ce sujet, parce que vraiment, c'est vraiment son force de l'évangile, tout. Parce que quand des côtés, bon Dieu, pour un petit monde, et puis pour le vin monter, pour une... elle est comme une fleur parmi toutes fleurs qui ont fait trio, son fleur qui a fleuri tout le temps. Mais bal support, parce que si nous avons le support, nous ne pouvons pas consacrer l'évangile là. L'évangile, ce n'est pas juste aller à l'église pour prêcher la parole. Et puis, parce que le monde ne comprend pas. Sur le social, il faut aller. Côté monnaie, là, tout, quand on est financier, il faut aider. Parce que il n'est pas vraiment saute loin. Moi-même, je viens pour aider dans tout sens. C'est ça. Parce que c'est ça que l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste parler. Parce que quelqu'un voit noir et puis on parle de belles bagailles qui paraissent insécures. C'est ça. Nous remercions, pasteur. Et encore une fois, l'Évangile TV, content qu'il y ait avec vous. Merci bien, c'était pasteur Isaac. Bye bye. Des sources. Bye bye.
Pasteur Isaac Dissous, dans exposition de peinture, Gratitude en couleur, qui est présentée par l'artiste Lélène. Une exposition qui gagne des tableaux là-dedans, qui gagne chaque tableau qui a une signification. Alors, même qui chita devant écran ou à suivre exposition de peinture, ça, nous espérons que on va comprendre raison qui derrière exposition ça et on va apprécier à juste titre exposition ça. Encore une fois, n'a poursuivi nous pral joindre l'autre monde encore qui capable ba nous point de vue sous exposition ça n'a venir téléspectateurs l'évangile TV. Encore une fois, nous a venir avec commentaires des différents viewers amis qui viennent suivre événement ça qui c'est une exposition de peinture gratitude en couleur. Nous gain avec nous notre frère Fito Smith qui c'est une radio personnalité et en plus you chrétien tout d'abord. N'a dit frère Fito, bienvenue sur l'écran l'évangile TV. Oui, nous saluons frère Jean-Renel et nous saluons tout les spectateurs qui sont branchés sur TéléTV qui est suivre un bel événement qui gagne après-midi et avec une belle exposition que la sœur Lélène a fait un pile bel tableau pour le capable de mettre l'idée que bon Dieu a bali des expériences qui sont extrêmement très riches que le talent que bon Dieu a bali. Exposition de peinture, gratitude en couleur. Qui ça représente pour même frère Fito qui vient dans un événement pareil? Bon, ça que à chaque fois que on regarde un tableau et nous avons plusieurs tableaux qui exposés là, ça démontre qu'il y a un pile message qui a passé à travers tableau ça. Parce que c'est une bagaille que me songe l'automne l'été Haïti et nous t'ai fait partie un groupe qui était les Saint Soleil et nous t'ai fait dans pile tableau ça nous travaillons là d'ailleurs et que nous connaissons c'est un mouvement qui est extrêmement qui gagne pile valeur qui gagne pile fond là dedans et que à chaque tableau que ouais qui est présenté gon idée spécialement gon message qui a fait non seulement pour les adultes mais pour la jeunesse qui a venu qui nous traduit un très bel chemin que celle Hélène a tracé dans la communauté que pour le capable faire travail ça que nous croyons il y a pile valeur et nous supporter lui et nous dire félicitations. Frère Fito Smith, ou dit nous que vous êtes dans le mouvement Saint-Soleil. Le mouvement Saint-Soleil, c'est une forme de peinture que vous faites en Haïti avec des hommes d'un coup Tiga, Jean-René Jérôme et M. Sayo. Alors, ça veut dire que vous êtes peintre? Oui, nous, oui, c'est ça. Parce que nous connaissons Saint-Soleil de la montagne, c'est avec nous les fondés. Que nous t'ai fait partie Saint Soleil, nous t'ai voyagé tout en Pologne, tout en France et nous avons fait exposition tableau, nous avons fait théâtre et que veut dire nous connaît très bien et nous fait partie peintia et nous connaît que ça qu'a fait Jodia nous connaît vraiment valeur importance. Alors pour téléspectateurs l'évangile TV, est-ce qu'on capable dit à côté des expositions gratitude en couleur qui présentée par Sister Hélène, est-ce que nous capable you joindre une exposition de peinture des frère Fito Smith? Bon oui, nous Dieu merci que nous capable penser travailler sur ça parce que c'est un bagage qui était toujours à travail dans tête nous pour nous être capable faire lui mais avec kounya la ça que c'est Hélène fait kounya vinn ba nous l'autre booster pour nous retourner à la source. Bien que la communauté haïtienne y a beaucoup embrassé et peinture ou du moins gagne un groupe très restreint qui est embrassé peinture, mais jodi a nous gagne pile monde qui vient supporter mouvement ça y compris ou même et est-ce qu'on a un message pour monde qui a regardé l'évangile TV qui t'a ramé connait qui ça un peinturier un tableauier qui est important sur de bailler un tableau? Oui, c'est ça. Un tableau, c'est un comme nous déjà dit, c'est un message qui a passé. Il y a des tableaux que vous gagnez la caillou, que veut dire à chaque fois que vous regardez tableau, gagnez un message que vous joignez dans tableau. Que veut dire parce que parfois artiste là lors qui l'a fait peindre là, personnellement il doit arrêter qu'il pas parler. Et puis mais les gion bagaille qui a traversé, les gion description que là-bas et que après que les tableaux parce que parfois nous même nous qu'on a peint en comme directeur Tiga, tu qu'on a enseigné nous, parfois pas même chanter pendant qu'on fait tableau et puis on doit joindre composition voilà qui fait et puis qu'on y a là où on chante ou capable attirer de tableau et que qui pour bail tableau à valeur que vous voulez baler là parce que parfois on monde doit ouais tant qu'on t'a dire ouais le tableau ça il y a des monde qui doit dire bon qui ça veut dire parce qu'on peinture là nique prend l'ifel va veut dire ou même ou pas comprendre ça veut dire mais là dans pile message qui a passé
qui veut dire on monde wap wè et gen droit gen un monde qui vient là qui veut dire toute désir c'est tableau ça qu'elle remet. Pour qui raison? On va demander mais pour qui raison c'est ça le remet? Mais dans tableau ça Jean Lia, il y a un message, il y a un bagage qui est attiré là-dedans. Alors téléspectateurs Évangile TV, Jean nous t'a annoncé, nous t'a mené pour garder en dedans exposition de peinture ça. Une exposition de peinture qui chargée avec émotion puisque artiste lui-même, lui exprime you feeling, plusieurs feelings qu'elle t'a traversé dans des différents moments et surtout nous gain centerpiece là qui c'est une pièce qu'elle doule qu'elle remet en pile côté qu'elle était dans un moment difficile, eh bien peinture là ou toute l'autre ou capable utiliser li pour express feeling ou c'est ça qu'a fait là et ou même tout viewer qui a regardé différents tableaux yo ou capable express feeling pour nous dire merci frère Fito dernier mot. Ben nous féliciter la sœur Hélène et nous féliciter l'Évangile TV qui est capable couvrir grand événement ça et nous demander communauté ou même qui de près de loin qui a regardé qui a suivre bel événement ça pour nous supporter sœur Hélène qui veut dire nous pas souhaiter exposition elle finit aujourd'hui mais elle cap toujours continuer et sous une opportunité venir directement pour nous capable supporter sœur Hélène dans bel travail qu'elle a fait et nous disons merci frère Charinel et merci l'Évangile TV que bon Dieu bénisse. C'est à l'Évangile TV pour remercier frère Fito. Passez une bonne fin de soirée. Alors, auditeurs, téléspectateurs, l'Évangile TV, nous croyons que vous jouez en pile. Et nous toujours là pour nous capables de porter pour nous-mêmes parce que nous sommes yeux. L'Évangile TV, comme d'habitude, toujours porter bon bagage pour vous. Restez branchés. Après pause là, on va jouer l'autre bagage. L'Évangile TV, we are here with Sister Neka. And she's here with us to enjoy the expo. How are you doing? I'm very good, thank you. All right, you are here to support the artist, so you have a reason for that? Yeah, she's a wonderful friend of mine. So, I mean, she told me about the expo, and I thought it's something very good to you know, just to accompany her and to be in support of whatever she's doing. It's from wonderful. What you see, you appreciate what you've seen today? Sure, very. She has wonderful pieces. And they're beautiful. I got one of them, and everyone that come into my home is like, wow, this is beautiful. So I think it's a wonderful thing she's doing. From the one that we are seeing right now, which one you really love from those ones? A lot. I mean, all of them. I think all of them. But I can't afford to buy all of them, but I love them. All right. We really appreciate the fact that you come to support Sister Hélène and L'Évangile TV say thanks to you. All right. Thank you. Have a wonderful evening. You too. Bye-bye. Voilà, téléspectateurs, L'Évangile TV, encore une fois. Le programme de ce soir va terminer, mais avant de terminer avec le programme de ce soir, qui était un programme tout à fait bien concernant la peinture, et nous prenons arriver dans un moment pour nous capables de mettre fin à programme Asroya qui était concerné la peinture, une exposition de peinture qui relait en gratitude en couleur. Eh bien, nous gagnons d'autres invités, encore d'autres participants qui étaient dans le programme, non? We just want some words from the viewers. And we got our sister here. You're going to be on TV with... TV. Yeah. This is a pleasure to be with you today at the expo. And you come to support our sister. We would like to know why you come. Oh, well, I'm here in support of Miss Hélène today. Mm-hmm. She's a very interesting character. Our relationship has not been very long, but she has a wonderful spirit. Thank you. Great energy. And I wanted to come out and support her and see her work, and I'm in love with it already. In love with what you see. Yes. All right. Is there any particular piece that interesting you? Oh, well, we were just having a crash lesson in abstract art. Okay. And I was just trying to understand why, for some reason, I'm very attracted to anything that's splashy and just kind of chaotic. What do you have as an answer? Say again? What do you have as an answer? I was telling her about the action painting. Like, that's basically the whole
kind of the concept of action painting is that you're moving around, and so therefore it's not really chaos. It's, if anything, it's controlled chaos, because you're taking the paint, and I use latex paint whenever I'm doing the action painting because it's more fluid, and then you kind of move along to get the thought across. See, but I like that term that you just used. Or was it chaos? What? Yeah, controlled. Controlled chaos. That sounds like me. Maybe that's why I like it. So I just learned something about myself today. All right. We say thanks to you for coming. Oui, and merci. Thank you. All right. Thank you so much. So you see, c'est comme ça la situation. Et non. Local côté que exposition peinture s'est faite avec Sister Lélène. Gratitude en couleur, l'Évangile TV t'a porté pour même toutes les images. Nous souhaitons que tu passé un très bon moment et nous sommes certains que peinture que vous gardez, vous inspirez quelque chose et ou même vous pouvez apprécier une œuvre d'art davantage. Encore une fois, c'était pour l'Évangile TV. Votre serviteur Jean Renel, nous souhaitons une autre fois encore. Nous va présent pour nous porter vous-même ça que Dieu pas de Kevin ouais à propre Dieu nous porter le pour sur l'Évangile TV. Bye bye. Thank you.